Bonjour les amis, je refais une nouvelle version de cette vidéo concernant les envois de vos commandes sur la boutique de la magie du Bouddha. Donc les envois sont faits chaque mercredi. Je ne fais pas d'envoi tous les jours et je vais vous expliquer pourquoi. À savoir que je vis dans la campagne bretonne, un peu loin de tout, dans une petite maison en lisière de forêt. Pas mal d'entre vous sont venus me rendre visite, donc vous savez que c'est vrai. Et la poste à côté, dans le petit village, à 5-6 km, elle n'est pas ouverte tout le temps, et de toute façon, ils sont en train de nous la fermer. C'est génial de vivre en France. On paye plein plein d'impôts, puis on n'a aucun service. Mais bon, bref. Donc du coup, je suis obligé, même pour beaucoup de services. D'ailleurs, la petite poste à côté, ils ne les proposent pas. Donc à chaque fois, on m'envoie sur la grande poste dans la ville à côté. Et l'autre poste, elle est à 18 km, à Pontivy. Pour aller à Pontivy, avec les petites routes que j'ai ici, je mets pratiquement une demi-heure. Donc une demi-heure pour aller. Le temps de me garer, de faire la queue, parce qu'ils sont tout le temps débordés, donc j'ai souvent une petite demi-heure de queue. Une demi-heure pour revenir, moi, si je dois aller à Pontivy tous les jours pour envoyer deux paquets, trois paquets, je vais y passer tous mes après-midi. Faut être raisonnable, quoi. Je ne peux pas passer tous mes après-midi sur la route à faire des envois de paquets pour deux paquets, quoi. En plus, comment vous dire, le carburant est pas gratuit, loin s'en faut. Donc j'ai décidé de faire des envois le mercredi autant que possible. Ça sera chaque mercredi. Donc il pourra peut-être arriver une fois que les envois soient faits par exemple un mardi au lieu du mercredi parce que j'ai je sais pas quoi qui arrive dans ma vie et j'ai pas le choix. Mais autrement ça sera les mercredis. Alors merci de comprendre. Certains d'entre vous essayent. Oui Jérôme, c'est urgent, c'est pressé. J'ai un anniversaire. Je pars en voyage. Je pars en vacances. Je sais pas quoi. Fais une exception. Ben ouais, mais moi faire une exception, ça veut dire que je vais passer tout l'après-midi à aller courir à la poste exprès pour un paquet. C'est pas possible quoi. Non. C'est pas que je suis pas gentil, mais je vais pas être trop d'accord pour aller passer l'après-midi sur la route pour envoyer un paquet pour faire une exception pour vous. C'est pas que je suis pas gentil, mais non, là, ça va pas être possible. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter sur les envois? Donc j'espère que vous comprendrez. Je suis désolé. Ah aussi, oui, certaines personnes me demandent. Alors je vous donne évidemment chaque mercredi, je vous donne votre numéro de suivi. Certaines personnes me demandent, oui, mais alors ça y est, le paquet il est parti, quand est-ce qu'il va arriver? Bah, une fois qu'il est parti, moi j'ai pas de contrôle sur ce que fait la poste. Je sais pas plus que vous, normalement, ça part le mercredi, vous l'aurez pour le vendredi, normalement. Mais m'envoyer un email et puis un autre en me disant, oui Jérôme, quand est-ce qu'il arrive? Bah, je suis comme vous, j'ai le suivi de la poste, j'en sais pas plus que vous, je suis vraiment désolé, mais voilà quoi. Donc c'était tout ce que je voulais mettre au clair avec vous sur les envois faits le mercredi.